Et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tu sais pas. Bonjour. Bonjour. Oui, enfin bonne nuit. C'est la nuit. Bon, bonsoir à tous. Ici Erkalis et KP59 dans l'aventure suivie. Épisode 52. On est. Épisode 52, donc en toute logique, après l'épisode Oh! 51. oh, esquive. Après l'épisode 51 et avant l'épisode 53, Comme vous il me pouvez semble. constater, nos villageois, on les a mis dans les cells et ils ont bien copulé. Ouais. On a tué tous ceux qui étaient en bas aussi. Les pauvres, Les pauvres. ils ont Il y a eu mouru. un de ces massacres. Attends, il faut que je bouge cette cellule. Sinon, il y a des trucs qui vont pop à l'intérieur. Enfin, non, qui peuvent tomber. Qui sont susceptibles de tomber. Mais pourquoi mes FPS ils font ça, quoi? Chier! C'est problématique, lui. Oui. Bah, je sais pas, j'ai un bon nombre de FPS et puis de temps en temps, bah, moins 2. Enfin, moins 2. Plutôt moins jusque 2. Voilà. Donc, tu viens avec moi, on va tuer les zombies. Les golems. Avec un looting. Oui. Ah, voilà. Donc là, ça vient de se reproduire. Alors. C'est chunk loading, non? Il n'y a pas un smooth? Attends. Chunk loading. Stable FPS. Faut 3 faster world. Voilà, bah, c'est ça. Stable FPS, ça sera mieux. Voilà. Merci. T'es prêt? Oui. Non, 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 pas l'arc. Et... Bon, allez, c'est parti. Essaye, moi je regarde. Je fais cramer. Ah, Aïe. ouch, 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 tu passes pas devant moi. Think the pick, aïe. Ah oui, c'est mal, hein. Ah, Attends, je me voilà. fais cramer un peu. Aïe. Oh, les pauvres. Ouais, donc plus Aïe. tard, pour optimiser ça, on aura besoin de... Ah, ouh, de... Bah, je sais pas. Oh, putain, putain, à ta droite, à ta droite. Oh, ils sont sortis, comment ça se fait? On sait rien. Ah, je suis tombé. Pourquoi ils sont sortis? Aïe, connard. Oh! Tiens, Y en a un mange! qui a dû tomber en fait d'en haut pendant ce temps-là. Enfin non, ils sont deux même. Bon, donc, comme vous le constatez aussi, c'est la galère de tuer des golems. Aïe. Voilà. Tu es mort. Voilà. C'est bon. Ah wow. Non, il était pas mort. Oh putain, le creeper. Non, Aïe! le creeper, tu vas pas me faire chier. S'il te plaît. Tu vas pas non plus exploser. S'il te plaît. Hop. Bane of Arthropos, ça fonctionne que sur les araignées, c'est pourri. Ça, tu m'as fait peur. Hop, Voilà. voilà, donc on va tuer le dernier. Ah, il y en a deux encore, purée. Et ça spawn à une vitesse, ça, un truc de fou. Ah bah quand même. Voilà, donc alors on a combien de fer? Je veux le sort, je veux le faire au centre. Bon, j'en ai 35, mais je crois qu'il y en a qui viennent d'ailleurs aussi. J'en ai 13. Oh putain. Tiens. Ah ouais, mais j'ai un... Ah non, non, en fait j'ai un looting 3, donc... Ah bah voilà, bah moi j'ai un looting 2. Enfin, Ok, un golem. c'est... Bonjour. Enfin bref, on aménagera ça plus tard. Aujourd'hui, on va aller miner, chercher un peu de lave justement pour faire faire le truc qui Pour permet de... faire une machine à laver. Machine à laver, oui. Ouais, bon bah voilà, le 1 FPS, c'était pas mal. 1 FPS, ouais, je suis content. C'est chiant. Pourquoi il me fait ça, je sais pas. Je suis tranquille. Ouais, super, c'est trop bien, ça c'est super fluide et tout. Puis d'un coup. Ah ouais. Vengeance! C'est la vengeance. Ben, donc C'est là la je suis vengeance. attends, je suis actuellement à 116 FPS parce que j'ai Actuellement. limité à 120. LOL. Ouais, non, mais je sais plus quoi dire. Justement, vu qu'on ne sait plus quoi dire, KP, je te propose le défi du jour. Oui. Le défi du jour, c'est l'épreuve du temps. L'épreuve du Tiens, temps. l'épreuve du temps, il faut que ça résiste à l'épreuve du temps. Ouais, d'ailleurs, quand ça résiste à l'épreuve du temps, c'est aussi résistant aux abeilles. Et quand c'est résistant aux abeilles? Et faut pas oublier que le temps, c'est de Le l'argent. temps, c'est de l'argent, voilà. Donc, ça résiste aussi à l'argent, et vu que l'argent, la parole est d'argent, alors ça résiste à la parole. Donc, ça résiste au son. Donc, quelque chose qui résiste au temps résiste au son. Cela dit, attention, parce que l'argent n'a pas d'odeur, donc on ne peut pas savoir si ça résiste à l'odeur ou non. Ouais, bah résister à l'odeur, bah je sais pas. Tu sais ce qu'il te reste à faire, lui. Bref. Cette petite maison là qui a commencé à être aménagée, enfin il n'y a rien dedans, en fait, c'est juste un trou pour descendre à la bedrock. Enfin bedrock, oui, bedrock. Ah. Couche 16. Papala Voilà, c'était le... Oh, en fait, on va plus vite comme ça.
Attends. Comment? En tournant sa caméra plutôt. Je trouve. Ah bah, c'est ce que je fais moi. Ah ouais. Non, moi je. Ça me donne envie de gerber, mais. Bon. Ceci est un début de mine. Alors c'est vraiment début. T'as une pioche au fait? Oui. Bah oui. Parce qu'on sait pas. Regarde, je vais creuser sur 3. Donc aujourd'hui, on va chercher de la lave et vu que c'est pas très intéressant de creuser comme ça, on va parler. Ok. Voilà. Bon. Donc bah... aujourd'hui, on a parlé. Enfin bref. tiens, prends le fer au-dessus. Je creuse tout droit moi. La pisse. Oui maître. Oui. Et après aussi, ce qu'on pourra faire, c'est une ligne de minecart pour remonter et puis les vider dans les coffres avec les Hooper. Super. On pourra faire du realistic minage. Oh yeah. Oh yeah, yeah, oh yeah. Bref, aujourd'hui nous avons un débat très important à vous faire partager. Avant ça, avant de dire de la merde, j'aimerais poser une question à tous ceux qui nous regardent. S'il vous plaît, répondez-moi. Please, me laissez pas tout seul. C'est pour savoir... Et ne répondez pas, entre guillemets, moi. Répondez-moi. Beaucoup d'entre vous seraient capables de le faire. Moi-même, je serais capable de le faire. Ouais, bah, lui, c'est ce qu'il aurait fait. Même je le ferais pas. C'est bien, j'ai un éclairage automatique. Oh... Impressionnant. Bref, il fallait que je pose la question. C'était utile. Ouais. Que je pose la question. Faisons-nous ou non une série sur Kerbal Space Program. Alors, j'explique ce qu'est Kerbal Space Program dans le coin en haut à droite. C'est. Donc, attendez. Je vais expliquer parce que je sais très bien expliquer. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est Farming Simulator 2013 ? Attends, je mets les petites images dans le coin en haut à droite. Voilà. Ding ! Est-ce que vous voyez ce que c'est Farming Simulator 2013? Eh ben, c'est la même chose. Genre, t'as cru qu'ils allaient te répondre, là. Ah oui. C'est parce que tu sais, il y a eu un blanc. Genre, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez pas. Merde, ils répondront pas. Bref. Bon, bah tant pis. Farming Simulator. Bah, c'est la même chose, mais vous remplacez les champs par des planètes, les tracteurs par des navettes spatiales, les plantes par des bonhommes, vous mettez des satellites à la place des bananes, à la place des poivrons vous allez mettre des lunes, et puis vous mettez des petits bonhommes verts à la place des vaches, puis voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas du tout ça. Ouais, non, pas du tout. Juste que hop. Voilà, je donne du charbon. Ouais, de l'XP. Tiens, la redstone aussi. Oh du putain, mais il me met une tonne de trucs, bah, c'est abominable. En fait. Donc voilà, en fait, c'est en gros, voilà, c'est un simulateur de vol spatial, comme le nom l'indique. Et non, c'est de programme spatial parce que tu construis tes vaisseaux. Oui, tu construis aussi, les vaisseaux aussi, voilà. Et en gros, si on fait des vidéos dessus, c'est pas du tout un let's play parce qu'il n'y a pas d'objectif en soi, c'est vraiment un truc RP en fait. On va se dire, ouais, donc aujourd'hui, on est cool, on va lancer une navette spatiale sur un orbite de 1 km. 1 km, qu'est-ce que je raconte, 1000 km de migrant axe et tout ça. Enfin bref, un truc sympa. Oh, grotte. Oh, ça me grotte. Oui, voilà. Oh, de la lave. Oh, super. Bah tiens, on va récupérer la lave. Ça ne te grotte pas, UKP? Moi, ça me grotte. Non, ça me gratte pas. Oh, t'abuses. Ah, il y a de l'or. De l'or! L'or, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes pour qu'on fasse une telle série absolument épique ou est-ce que vous êtes contre? Voilà. Enfin, contre, je sais pas, mais est-ce que ça vous intéresse, du moins? Parce que avec notre niveau de folie, ça peut être assez kiffant, je pense. Donc en fait, en train de les inciter fortement. Dites-lui, voilà. Bordel. Non, bah non, allez, dites-lui, voilà. S'il vous plaît. Oui, mais moi, c'est un peu kiffé. Oh merde, j'ai perdu mon pseudo. Ah bah t'as un pseudo. Hop, et pour moi. C'est pas le mien, c'était le tien. C'est le mien. J'ai pas. Ah bah il y a eu un bug alors. Bon, on va aller chercher le charbon qui est là-bas. Enfin, le charbon, ça sert plus à rien en fait. Attends, sérieusement, tu fais tout ça pour aller chercher du charbon? Non, je fais pour aller chercher du diamant, peut-être. On va peut-être trouver du diamant un jour, non? Ouais, c'est bon. Peut-être pas mal. Il attend que le chemin il se génère, tu sais. Et puis... Hop là, on va par là. Hop, pipidupidu. Ouais. On prend le redstone. Lève. Toujours ça de pas. Donc voilà, oh, oui, bah, lave en effet. Logique, si tu prends la redstone, elle est prise, effectivement.
Ça paraît logique. Juste pour l'XP. Tu gagnes pas d'XP. Je sais que j'ai une Silk Touch, mais on la pétera après. On pétera le minerai de charbon après, ça nous fera monter niveau 30 direct. Et voilà. Sinon, nous avions un débat très intéressant à lancer. Oula, il y a un bug. Oh putain. Oui, il est très intéressant ce débat et je te propose de le lancer tout de suite. Fais pas un lancer franc par contre. Hein. Le lancer franc, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas fini, il y a assez encore. C'est un sujet d'actualité assez brûlant. Donc non, ce n'est pas par rapport au nouveau four Hermès qui est sorti. Pourquoi Hermès? C'est pas une marque de four. Et on ne parle pas de la lave non plus, attention. La lave, c'est pas un sujet d'actualité, ça n'entre pas dans les critères. Bref, c'est concernant... D'ailleurs, c'est pas brûlant du tout, vu que ça concerne les frites surgelées et leur saison de reproduction en Afghanistan, notamment la région sud. Alors, c'était très intéressant, parce que c'est une espèce dont la saison nuptiale est extrêmement longue, c'est-à-dire qu'elle dure de mai à mai, de 3 ans après, et après on recommence à mai. Enfin, voilà. En gros, c'est une saison nuptiale infinie, et pendant cette saison nuptiale, que font-ils, monsieur Capet? Je vous le demande, putain, il y a de la lave. Eh bien, pendant cette saison nuptiale, c'est très important. Alors déjà, il faut savoir que la saison nuptiale est la saison la plus importante chez toute espèce, y compris lorsque l'on parle d'une espèce surgelée comme les frites surgelées, en Afghanistan ou non. Alors, cette saison, c'est très important parce que c'est la saison qui va précéder les saisons de reproduction. Or, il faut savoir que c'est très important chez ces animaux-là de se reproduire, parce que après tout, comment ils peuvent... Ils ne peuvent pas se reproduire s'ils ne se reproduisent pas. Je vous le demande. Voilà. Après, on va avoir une pénurie. Voilà. Une pénurie de frites surgelées. La catastrophe, ce serait, économiquement parlant. Ce serait terrible. Donc c'est un point crucial de la survie de l'humanité que de protéger cette espèce, tout simplement. Tiens, donne-moi du charbon. Je dois m'absorber. Donne-moi du charbon. Mais... Voilà, tu pars comme ça, quoi. Il est fou. Bon, bah j'ai pas de charbon. J'ai plus qu'une torche. C'est l'heure de l'aventure. Bon, et alors du coup, je vais devoir meubler. Je hais ce mec. Voilà, donc... je l'ai déjà dit. Je mine un peu de charbon, voilà, je vais descendre, je vais le paumer, voilà. N'importe quoi. Et donc, au niveau des frites, pour remplir nos frites, les frites, c'est bon. Voilà. Les frites, c'est bon. Et du fait de leur très grande consommation et de leur très grande fragilité à un prédateur nommé Homo sapiens sapiens, nous devons protéger protéger et optimiser la reproduction des frites, notamment en Afghanistan. Je ne sais pas pourquoi en Afghanistan, mais l'Afghanistan, c'est un très beau pays, hein. C'est chaud. En plus, les frites surgelées survivent très peu là-bas, donc raison de plus pour les conserver. Ouais, vive les congélateurs, ça fait tourner l'économie. Congélateur, Bosch, c'est bien, c'est beau. Je fais de la pub. Bon, en attendant, je me sens seul, très seul, parce que l'aventure suivie, à la base, je suis pas censé être seul, et là je suis en train de rager aussi, mais non, ça se voit pas. J'ai fini de rager dans les vidéos, enfin si, en fait, je vais encore rager dans des vidéos. J'ai ragé au dragon, c'est pas bien, non, je sais, faut que j'arrête de rager dans les vidéos, voilà, faut que je reste cool et branché, enfin, surtout cool, branché, on verra peut-être, hein, parce que ça fait pas du bien de se prendre du 220 volts. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Peut-être que je vais remonter mon stuff. Ah bah, le voilà. Oui, je viens de revenir alors que tu te sentais seul, alors que tu n'arrivais pas à survivre en mon absence, que tu n'arrivais pas à surmonter le vide provoqué par la disparition de mon existence dans ta triste vie. Et donc, je suis revenu. Oui, parce que je suis revenu parce que j'aime bien parler. J'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'aime bien raconter n'importe quoi. Tu me dois toujours et je savais que cette... Oui. Ramène ton cul. que cette perte allait te manquer et te priver de tellement de choses. Ouais. Et puis donc, j'ai décidé de revenir. Arrête de parler avec ta voix pleine de visibilité, s'il te plaît. D'abord, hein, bon... C'est moche la paisibilité. Mon dieu. Je t'attends à l'entrée là où on est rentré de la grotte. Coucou, où es-tu?
Ah, j'arrive. À l'entrée de la grotte. Oui, bah je suis à la sortie de la sortie de l'entrée de la grotte. Au carré. Au carré. Exponentiel. Voilà. Alors, merci. Nom, 15 charbons. Poupidou, pilou. Alors, sinon, bah, bonne année. Oui, et joyeux Pâques. Ouais, c'est très important aussi. Voilà, j'ai des torches. Yippie, je vais pouvoir torcher. Pouh. De toute façon, on a plein de charbon, on peut torcher partout. Pouh. 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 Aïe. Chou. Je les mets d'un côté sur l'un, l'autre sur l'autre côté. Ah, d'accord. Bon. Hop. Bon, je t'invite à continuer à miner. De toute façon, il nous faut de la cobble et pas de la stone parce qu'on a plus de cobble. C'est un truc de fou. On est dans une aventure suivie, on a plus de cobble. On a que de la stone. Bah, tu la mets dans un macérateur et puis... Le macérateur, ça n'existe pas. Ça, il s'arrête à inventer. Allez, on prend le fer. De toute façon, le fer, on va bientôt en avoir à l'infini. Et du charbon, bah, on a aussi du combustible à l'infini. Ce qui fait qu'il ne manquera plus que le diamant à l'infini. À quand avoir un. Non ! En parlant de diamant. Chance. T'avais une pioche chance. On a gaspillé du diamant. C'est bah triste. Oui, t'avais pas de pioche chance. Tiens, casse-toi, reste. C'est triste. Et ça va bientôt être la fin de l'épisode aussi. Donc on va bientôt remonter. C'était l'épisode minage. Ouais. C'était absolument épique. Voilà, l'épisode, et l'épisode On parle de frites surgelées, on parle de. Eh, t'as oublié un diamant. Mais non, mais fallait pas le miner. Oh putain. Ah. Il est au-dessus de toi le diamant. Oh, non. Là, là. Ouais, donc ici il y a du. Moche. On va par là. Il y a du sap. Et il va falloir aussi qu'on se fasse une pelle. Car ça que, t'es vraiment toi. Il va falloir qu'on se fasse une pelle, mec. Parce que la pelle c'est cool. Et c'est ce qu'on fait toutes les heures en début de cours. Enfin. J'attendais voilà, un truc dans ce genre-là. Sur la, entre la pelle du large, je sais pas. Ah, oula, oui, excuse-moi. Mais dégage. T'es juste chiant. Il va criser avec moi. Tiens. Allez, vas-y, fonce. Fonce, Alphonse. Aïe. Salaud. Je te la rends, tiens. Aïe. Cadeau. Allez, bonsoir. On va remonter. J'ai un peu de bois. Oui, j'ai un peu de bois. On va se faire une table de craft. Mais oui, c'est gentil les tables de craft. Voilà, on va le poser là. Ah, jusqu'ici, non, ça n'a pas mordu. Je voulais faire en fait des escaliers pour remonter. Comme ça serait plus cool, tu vois, si on fait des escaliers. Un escalator. Oh, ça se demande un peu beaucoup de pistons. Donc on va se calmer, d'accord. Mais je suis calme. Parce que c'est vrai, la calmitude, c'est très important dans notre société actuelle. La calmitude, c'est quand même la paisibilité. En effet, lorsque l'on est paisible, l'on n'est pas énervé, eh bien, on a plus de capacité à résoudre rapidement des situations requérant... D'accord. Requérant une réflexitudination de notre part. Bon, bah, il va falloir que tu me donnes les escaliers. En effet. D'accord. Puis moi, j'ai parlé. Vas-y. Allez. En effet, dans notre société où la réflexion est primordiale, primordiale, bon, évidemment, il y a les hommes politiques. Donc... C'est pas très réflexion. Ça. Voilà, ça casse un peu ce que je viens de dire, mais bon, mis à part ça, la réflexion, ça peut avoir une importance assez importante dans notre société. Car les personnes qui réfléchissent, qui savent réfléchir, savent parler, et c'est un podcast improvisé. Ouais, attention. Vous imaginez la aïe, que con. il faut savoir que cela ne respecte absolument pas la loi binomiale. La loi binomiale de paramètres n égale 42 et p égale 0,25, mais également la loi de podcasterie de Lindesson qui dit n'improvisez pas. Et bien voilà, nous improviser. Parce que nous, on est des ouf, on improvise. Oui. Donc bref, juste on compte sur vous, enfin moi je compte sur vous, dites oui. Pardon.
pour oui, faire oui, l'aventure, oui, on va faire ça oui. réalistiquement parce que je suis un gros fifou, un gros fan de. Et donc ça va faire quoi comme que ça genre va de truc être, bah, réalistique et marrant. Enfin non, ça va pas être très marrant, ça va être ultra sérieux, ultra stressant et tout, mais avec de la musique et ça sera épique en fait. Voilà. Ouais, donc ça va être toi tout seul qui va aller dans l'espace. Va rester là, il va faire le Capcom. Vas-y, sors ta blague. Oui, oui, Hadouken. Voilà. Donc là, c'est la partie ultra intéressante visuellement de l'épisode. Il était ultra intéressant visuellement. Pardon, je peux pas passer le bloc. Merci. Tiens. Parce que on est allé miner, on est allé chercher de la lave juste pour pouvoir faire les blades l'épisode prochain. Oui, parce que miner c'est tellement important. Parce que s'il n'y a pas de mine, comment il fonctionne le crayon? Sérieusement. On va manquer Festival. De skier, mec. On va pas pouvoir monter. Oh, il y a des blocs qui ont repop. Moi, tant pis, je pose le dernier, puis il faudra continuer à la. Hop. Oh putain, c'est encore haut en fait. Ah non, ça va. Coucou. Voilà, nous sommes de retour. Bonjour. Un mauvais tour. Allez, par contre, moi, je ne peux pas donner la suite de par cœur, comme certains savent le faire. Ouais. Bah, et alors, mais t'as raté ta vie. Et alors? Bon, ok, maintenant, toi, je ne peux plus te faire. Bah, tu si n'as pas regardé Le Seigneur des Anneaux. Bon. Attends, tu l'as regardé, donc, ok. Mais... Les deux, hop, on les balance. On balance, 40... ça, on balance ça, on balance ça, on balance ça, on balance ça. 48. Non, ça, je vais garder. Et il est où notre four à induction? Pas de four à induction, Kiki. Oh, oui, comme tu dis. Mais on n'a rien non, ici, rien. C'est incroyable. Mais on aura bientôt une machine à... Je sais pas, une machine à tri. On peut tester, hein, machine à tri. Ah, mais ça peut marcher, effectivement. J'ai comme un doute. Voilà, donc, nous allons... Nous... Ouais. 47 charbon, je vais quitter. On va se quitter, Hugues. Si, ne je me te quitte, quitte pas. T'es fini entre nous. Pardon. On va se quitter, on va retourner là-bas, prochain épisode. On va faire notre... Attends, il y a un squelette, là. Qu'est-ce qu'il fout? Vas-y, skill shot, fou. À l'attaque. Bulia, merci de m'avoir avancé. Le bond en avant que j'ai fait avec ta flèche. Creeper. Oh, creeper. Hey. Merde, j'ai pas de flèche. C'est bon, tout va bien. Enfin, j'espère. Et voilà. Bulia. Donc, maintenant qu'on a débarrassé la... Oula. Faut pas faire de zoom, ça fait un truc bizarre en FPS. Maintenant qu'on a fait donc notre petit épisode, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir UKP. Au revoir mon petit Arcalis. Et tout ça, et ouais, super. Et puis donc voilà, je vais vous dire au revoir parce que oui, c'est très important de dire au revoir à la fin d'un épisode. Parce que si, lorsque l'on dit au revoir, cela montre le respect que l'on a pour nos viewers. Les pauvres viewers qui nous regardent, qui nous supportent pendant des heures, et cet Enderman qui vient de popper à côté de moi. Et donc, nous devons leur dire au revoir. Nous devons vous, pas adieu, parce que l'on va vous revoir très prochainement pour un nouvel épisode. Voilà. On vous dit au revoir. Parce que au revoir, ça veut dire que l'on se reverra bientôt, que nous vous écouterons, enfin que vous nous écouterez même bientôt à nouveau, raconter, parler pendant des heures, voir Hercalis se cacher sous un bloc de terre et un bloc d'eau et se noyer parce qu'il veut se suicider, parce qu'il en a marre, parce qu'il ne veut plus voir, parce qu'il ne veut plus m'écouter, parce qu'il ne veut plus m'entendre, parce qu'il en a marre, parce qu'il en a assez, parce qu'il ne supporte plus rien. Oui, tu oui, es oui, toujours oui, là d'ailleurs. J'attends que tu finisses, oui. Oui, d'accord. Ah non, mais j'ai pas fini. Et donc, nous allons vous dire au revoir. Et donc, c'est la fin. Mais non, ce n'est pas la fin, parce que ça va recommencer, c'est la fin. Avant un nouveau commencement, c'est la fin avant une nouvelle fin, parce qu'il faudra une fin pour recommencer, pour avoir une autre fin. Et oui, c'est le cycle de la vie, le cycle de nos vidéos, qui continue, qui s'arrêtera pas. Et au revoir. Je sais pas si ce qui postule pour le record de la plus longue outro, en fait. Voilà. Donc, au revoir à tous. Voilà.